Et il est mort, c'est mort, un petit machin sous la tête. Information avant que beaucoup de personnes me le posent, oui, c'est une perruque. J'ai voulu tester de faire une vidéo avec cette perruque parce que c'est la première fois que je le fais. Et vas-y, tant pis que ça critique. Moi, je l'aime bien. Elle est jolie. Donc, avant que ça dise que j'ai changé de coiffure et que je me suis coupé les cheveux, non, je me couperai jamais les cheveux. Donc, c'est une perruque, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, j'ai mon ordinateur à côté et genre, j'ai une FAQ juste à côté de moi. Et en fait, le thème de la vidéo aujourd'hui, ce sera une FAQ chelou. Donc, les questions les plus zarbies que vous avez pu me poser dans mon FAQ. Donc, franchement, j'en ai 20. Et je peux vous dire que j'ai déliré en regardant vos commentaires. J'ai pas pu tous les prendre, je suis vraiment désolée. Mais franchement, c'est vraiment un coup à délirer. C'est n'importe quoi, c'est un gros bordel. Enfin bon, c'est une FAQ totalement chelou, totalement débile, totalement humoristique, totalement nulle. Avec des questions, vous débordez d'imagination à me poser ce genre de questions. Enfin bon, j'espère que cette vidéo te plaira. Si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like à la fin de la vidéo si ça te plaît. Et puis moi, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc, VIP Faboni, manges-tu du caca au petit déjeuner? Du caca au petit déjeuner? Non. Non, je suis pas comme ça encore. Non. Aurélie, Mélo, as-tu déjà pété et fait croire que c'était pas toi? En réfléchissant bien... Je dirais que quand j'étais petite, ça m'est déjà arrivé peut-être. Parce que, ouais. Parce que dans tous les cas, péter n'est pas une honte. Si tu pètes pas, t'exploses. Donc, dans tous les cas, il faut. Bref, oui, ça m'est peut-être déjà arrivé, j'assume. Mais voilà, quoi. Bah, en même temps, c'est gênant. Du coup, tu vas bien mettre ça sur d'autres quelqu'un d'autre. Voilà. Seyo. Alors, Seyo, toi, c'est une question un peu zarbi. Vraiment très zarbi. Accrochez-vous. Est-ce que t'aimes faire l'amour avec des chimpanzés trisomiques? Ah. Bah, j'ai jamais testé. Donc, je vais pas te répondre. La étiquette, tu fais caca combien de fois par jour? Alors, en étant très très honnête avec vous, je dirais une fois. Voilà. En fait, j'en sais rien. Ça varie. Ah, c'est n'importe quoi, c'était pas qu'une merde. Pourquoi j'ai fait ça, moi? La gentille de MSP, mourir brûlée ou gelée? Moi je dirais que je préférerais mourir brûlée parce que... Ouais non, dans tous les cas tu souffres. Mourir gelée ou mourir brûlée? Je sais pas si gelée ça irait moins vite que brûlée, mais moi personnellement je préférerais mourir brûlée. Voilà. Paris Lova Bella, t'aimes les chaussures? Ben oui, en même temps on en porte tous les jours, donc voilà, bon là j'en ai pas, mais voilà. Ah merde, j'ai pas noté le pseudo là. Merde, je suis désolée, bon, ben, je sais pas si tu te reconnaîtras, mais je suis vraiment désolée. Est-ce que t'as déjà pété en rigolant? En étant sincère avec vous, je dirais oui. En même temps ça arrive, hein, tu rigoles et la poutre, tu lâches une caisse, bah c'est pas ta faute. Hein. C'est quoi ces questions? Taka Senpai. Es-tu déjà resté une heure sur les toilettes en textant sur ton tel? Bah oui, c'est ce que je fais à peu près tous les jours. Bah oui, je regarde vos vidéos, moi, dans les toilettes, donc voilà. Une workeuse, tu ressembles à une chèvre. Ah bon? C'est vexant, tu sais. Ah bah écoute, ok. On fait ça, ok. Camille, aimes-tu embrasser des chevaux à tête d'homme qui mangent des carottes? Je vous mets une photo ici. Je vous mets une photo de ce que ça donne. Un cheval avec une tête d'homme et qui mange une carotte. Je vous mets une photo là. Montage by moi. D'accord? Et j'ai jamais testé d'embrasser un cheval à tête d'homme qui mange des carottes en plus. Mais faudra que je teste. C'est quoi? Je penserai à toi, Camille. Esprit Mélina, tu t'es déjà trompée de maman en croyant que c'était ta mère? Bah oui, ça m'est déjà arrivé dans les supermarchés de me retourner en croyant que c'est maman et en fait de parler avec une autre personne. Oui, c'est comme quand tu te trompes de caddie. Voilà, tu trouves un caddie. Oh bah c'est pas le mien. Chouini, chouini.
Chouili. T'aimes les fenêtres? Bah là, il y en a une juste devant moi, donc ouais, elle a pas l'air de trop me gêner. Ouais, je l'aime bien. Bia belle. Pourquoi la vie? Parce que la mort? C'est ce que je réponds à chaque fois aux gens. Parce que je sais pas quoi répondre en fait. Pourquoi la vie? Une question totalement bizarre. En fait, ces moments-là, je sais pas vraiment quoi répondre. Ou si des gens savent répondre à cette question, le marque en commentaire. On fait comme ça? Je vais avoir des questions un peu challenge, enfin, je vais le faire quand même, on va voir ce que ça donne. Cathy, arrives-tu à toucher ton nez avec ta langue? Ça, j'ai déjà testé. J'ai déjà testé des millions de fois quand j'étais petite, mais je crois que j'ai pas la langue assez grande. J'ai beau forcer, ça rentre pas. Puis ça glisse. Off, est-ce que Ulysse a déjà fait caca dans la forêt? Bah ouais, je pense. J'imagine quand même. Ouais, je pense, hein. Là, j'aurais bien aimé lui demander, mais non, mais je pense, hein. On a tous chié un jour dans la forêt. Léa, t'arrives à lécher ton coude? Ah merde, j'y arrive pas. Putain, et comment ils font les gens? Non, j'y arrive pas. Zelda, t'as déjà eu la gastro au restaurant? J'avais oublié que j'avais noté cette question. Non. Si. Quand j'étais toute petite. Eh oui, quand j'étais petite. Comment vous dire, quand on est petit, on contrôle pas forcément ses gastro. Eh ben moi, ça m'est arrivé. Au restaurant en plus. Voilà, après une bonne glace au chocolat, direction le paradis. Les WC. Eh oui. Et après, t'es une heure dans les WC. Princesse, t'aimes les pieds? Ouais. Bah en même temps j'en ai, donc ouais non, en fait les pieds c'est pas forcément beau, hein, mais bon, t'aimes les pieds. Dédicace à Patatex, alors si on fait ça. T'aimes mes pieds. Agathe, dernière question, et oui je vous l'avais dit, la FAQ durerait pas forcément longtemps. Mais voilà, après je vais vous faire quelques petites explications. T'as déjà mangé une de tes chaussettes avec du ketchup? Alors c'est con parce qu'on a pas ketchup, mais j'aurais bien voulu tester. J'aurais bien pris une petite chaussette avec un petit ketchup dessus. Et genre, voilà. Bon, je sais, c'est un petit peu gore, les amis, mais bon, c'est pas grave. Hein, d'accord, on me pardonne. Mais bon, j'aurais bien fait. Juste pour tester pour vous, voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà pour les questions les plus cheloues du monde. Si vous voulez d'autres FAQ avec des questions bizarres, des questions débiles, n'importe quoi, vous me demandez. D'ailleurs, je voulais vous demander si vous voudrez une FAQ avec ma maman. Donc ma mère qui accepte de faire une FAQ avec moi, une vidéo avec moi. Donc si vous voulez une FAQ avec elle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que on ne fait plus attention aux vues sur YouTube, mais plutôt aux likes. Mais moi je ne regarde pas forcément mes likes en fait. Et en fait j'ai 12 000, bientôt 13 000 abonnés, et ça je vous en remercie énormément. Mais le truc qui me chagrine un peu, c'est que en ce moment ça chute. Je sais pas ce qui se passe, si les gens sont moins actifs, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que les gens sont beaucoup moins actifs sur ma chaîne. Ça fait vraiment vraiment mal. Enfin ça fait bizarre quoi. Donc si t'as été actif pendant cette vidéo, par exemple mets du hashtag Mello. Et comme ça je verrai les personnes qui ont été actives pour cette vidéo. Parce que ça fait un peu... Enfin ça fait bizarre. Parce qu'avant j'arrivais à faire du 3000 et là j'ai du mal à faire du 1000 déjà. Donc vraiment ça fait bizarre. Donc voilà. Et pour les personnes qui ne sont encore pas super actives sur ma chaîne et qui ne voyaient pas forcément mes lives le soir, sachez que tous les soirs, peut-être pas ce soir, je ne ferai peut-être pas ce soir. Donc à vous dire qu'on est le 31/12/2016. Je fais des lives tous les soirs sur YouTube et Twitch. Donc Twitch qui est un site pour faire des streams. Pour faire des lives sur des jeux vidéo, donc je pense pas qu'on puisse faire des lives MSP là-dessus, non. Mais moi je fais des streams sur Minecraft, donc YouTube et Twitch. Donc vous verrez mon live Minecraft sur YouTube et sur Twitch. Donc je peux, j'ai le chat sur YouTube et sur Twitch, hein, comme d'hab. Et puis voilà, donc si vous êtes pas au courant que je fais ça, bah voilà, vous le savez. Hier j'en ai fait un, avant-hier j'en ai fait un, j'en fais un à peu près tous les jours, mais peut-être pas aujourd'hui 31/12. Donc voilà.
Donc juste pour vous prévenir que maintenant je fais des lives sur Twitch et j'en fais moins sur YouTube. Voilà, je me calme un peu, j'essaye de faire les deux vu qu'il y a un moment j'avais arrêté les streams Twitch parce que je n'arrivais pas à gérer les deux. Voilà. Si je sais que c'est pas trop le moment d'en parler parce qu'on n'est plus à Noël, mais si vous voulez une vidéo cadeau de Noël que j'ai eu à Noël, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je la fais un petit peu en retard, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore tout reçu. Et puis voilà. Donc si vous voulez une vidéo sur nos cadeaux, il n'y a pas de souci, je vous la fais le 3 janvier ou le 4 ou le 5, je sais pas encore. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit like comme j'ai dit au début de la vidéo et t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous remercie encore pour presque les 13 000 abonnés sur ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Et si vous voulez d'autres FAQ, n'hésitez pas à me le dire. Et j'en ferai. N'hésitez pas à me donner vos idées, il n'y a pas de problème. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye !